Et nous voilà donc repartis pour cette deuxième session de Guild Wars de ce soir. On continue les coop dans le désert. Et on se lance sur le bif d'Elona. Et si je me souviens bien de la coop, parce que là je crois que je m'en souviens parce qu'à l'époque je la faisais en rush. Elle est chiante. Elle va être chiante parce qu'elle est timée. Il n'y a pas de suite, mais elle va être timée. Alors, aidez le héros spectral à accomplir le rituel qui réunira les trois fragments du cristal de vision. Rapportez le premier fragment, le deuxième fragment et le troisième fragment de cristal au héros spectral. Je ne fais que te taquiner amicalement. Mais ne t'inquiète pas, Luna. Je sais bien. Moi aussi, j'en profite pour t'embêter. Allez. Ouais, file-moi le morceau. Alors, je sais plus ce que ça fait. Hein. Ouais, faut pas être dans le truc, c'est ça? Ouais, faut pas être dans la zone, sinon c'est saignement et je sais plus quoi. Mais ouais, cette coop était bien à l'époque pour farmer les Minotaurs. Parce que, vous allez voir, il y en a tout plein. Et avant, les Minotaurs ne changeaient pas forcément de cible. Quand on les mettait en pack, du coup c'était plutôt pratique à farmer. Mais maintenant de toute façon vous l'avez vu à chaque fois qu'on essaie de lancer quelconque compétence un petit peu sur un groupe un petit peu trop packé, bah les mobs se barrent tout simplement. Donc là, ouais, va falloir faire gaffe aux mines. Donc ces machins-là. Voilà. Les activer et partir. Voilà. Ah non. Elle a pété, elle a pas pété? Non. Bon, elle a pas pété. Bon, bref. On évite les mines quand même. Pendant que le prêtre nous aide. Alors, c'est dans nos erreurs que nous trouvons la vie, que la voie. Oui, nous trouvons la voie. J'aiderai notre héros à effectuer son rituel. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Blablabla. J'aurais peut-être pas dû le faire, ça, de suite. Si? Non? Peut-être dû libérer la route avant. C'est des mines, ça? Ouais, c'est des mines. Des... comment ils appellent ça? Des éclats de mines. Donc là, ouais, va falloir trouver les spectres. Les spectres de prêtres. Pas facile à dire, ça. Et sinon, Tigrounet, t'attaques ou tu regardes? Bon. Obligé de poser le cristal. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de Minotaurs, donc c'était, il y en a encore par là-bas. Du coup, c'était pas mal pour farmer. Ah, sachant que cette zone, à l'époque, avait un petit peu plus de chance de choper des items dorés. Ce qui était pas négligeable. En tout cas, pas par moi. Vu le nombre de fois où je l'ai farmé celle-là. La Ritu est toujours poursuivie par le Minotaur. Je viens d'essayer de le dire et j'ai galéré, je me sens bête. Et moi je me sens moins seul. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose à faire par là-bas. Peut-être. Non, il n'y a que des Minotaurs. Parce que s'il n'y a que ça, on se barre. Hein.
Ouais, on se barre. Est-ce qu'il se fait attaquer par les mobs, lui, là? Il se fait pas attaquer, j'ai l'impression. Ah si. Ou alors il perd pas de vie. Ce qui en soi est cheaté. Dès que j'arrive à le dire, je t'appelle. Pas de soucis. Bon. Voilà. Moyen de faire de plus de deux pas. Coffre élonien, c'est con, j'ai pas de clé. Ah, il y a un héros spectral. Attention, on passe. Vite, 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 les gars, on passe. Ah. Non, j'ai dit on passe, on s'arrête en plein milieu. On s'arrête sûrement pas en plein milieu. Non mais toi là, oh. T'es pris pour qui là? Non mais... Ah bah c'est con, le prêtre il est mort. Ainsi commence le test des Éloniens. C'est ici que mon peuple a échoué dans son ascension. Lorsque le cristal de vision sera reconstitué, vous pourrez invoquer les dieux et effectuer votre ascension. Vous m'avez apporté le premier fragment, mais il faut retrouver les autres. C'est l'avidité qui est la cause de tous nos problèmes. Les fragments du cristal ont été conservés dans différents campements, car nous ne faisions confiance à personne. Pour réussir ce test, il faut retrouver les deux autres fragments. Qui sont bien évidemment à l'opposé l'un de l'autre. Chaque base. Revenez ici avec les fragments de cristal et je commencerai le rituel de fusion. Ok. Vous devrez vous hâter car je ne pourrai pas interrompre le rituel. Si vous ne trouvez pas les trois fragments, tout ceci aura été vain. Sinon, au lieu de commencer le rituel dès le début, tu attends que j'ai tous les fragments, et ensuite tu le fais. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un timer. Bon. Allez. On perd pas de temps. On a 30 minutes. Il me semble que avant c'était un peu moins, d'ailleurs. Je vais pas dire de conneries, mais... 30 minutes, ça me semble large en fait. Bon, eux vont venir. Buter le sage! Oh, il s'est fait éclater le sage! Oh, il s'est tellement fait rouler dessus!
Allez, venez au milieu. Voilà, nickel. Et donc ouais, il y a un truc que j'ai testé sans... Enfin, vite fait, sans me prévenir. Oh, un parchemin doré. Triple l'XP. Ouais, mais triple l'XP, mais il faut tuer au moins un mob toutes les 30 secondes. Hop là. Allez, venez là, venez là, venez là. Venez là, venez là. Non, là mon but, c'est de les attirer au mieux, enfin au plus possible sur le pont. Putain, ils sont chiants à se soigner comme ça. A savoir que les mobs aussi prennent les dégâts de la mine, hein. C'est vrai que je l'ai pas précisé non plus, mais ils le prennent. Allez. Tac. Avancer, 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 avancer. Hop là, on la pose et on se barre. Tout à fait, j'ai... Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Tout à fait, Luna. On a buté le sage. J'avais pas fait gaffe. Ça c'est cool. Ouais, t'as raison. Va falloir que je pense à pas trop l'oublier justement. Parce que dans 3 niveaux on pourra plus l'avoir. Hein. Donc autant s'en servir tant qu'on peut. Cristal est là-bas. Cristal de vision. C'est ce qu'on est venu chercher. Ah non, restez pas là. Restez pas là-dedans. Ok, il est juste derrière. Trop genre, il a esquivé quoi. Allez, meurs! Ah, bien ça, le Maelstrom! Maelstrom qui l'a empêché de se soigner. Ça, c'est parfait. J'aime quand les héros lancent des compétences timées à la milliseconde près sur ton attaque à toi. C'est rare, mais ça arrive. C'est surtout pas fait exprès du tout. Mais c'est cool quand ça arrive. Allez, ça, c'est un boss envoûteur. Fuck. J'aime pas les boss envoûteurs. Ah, la tempête chaotique! Yeah! Mami quoi? Fardeau éthéré, ok. Allez, yeah, sort de là! Allez, on le défonce. Hop là, c'est bon. On prend le cristal et on se barre. Évidemment, le cristal qui est juste à côté d'une mine, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, go, 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 go. On s'arrête pas, les mecs, on s'arrête pas. Là par contre on s'arrête et on m'aide. Aou, 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 aou,
Ah, c'était tellement chaud. Tellement failli crever. Allez, 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 allez. Allez, meurs. Oh, une baguette de feu. Tiens donc, un loot pour nous. C'est rare. Allez, partez là-bas. Commencez à aller devant les héros. Quand il sera level 20. Eh, t'as vu, j'ai pas oublié d'invoquer le lutin cette fois. Oh, wait. Oh, wait, je peux plus. Ouais. Bah, de toute façon, je me dirais pas ça, vu qu'une fois niveau 20, je vais supprimer l'item de mon sac. Donc, bon. Allez, on passe par là pour éviter les groupes du milieu. Je commence à faire avancer les héros, comme ça, s'ils peuvent buter quelque chose, c'est tant mieux. Merde, ouais, je regardais où mettre le drapeau du héros, mais là, voilà. Allez, hop, rapportez le troisième. Bon, vous voulez tuer ou vous les regardez faire, là? Apparemment, vous les regardez faire. Hein. Oh, j'ai eu tellement chaud là, le groupe qui est juste là, il est pas venu. Allez, l'ensorceleur. Bon, par contre, là, il y a souci. Arrêtez les mecs. Avancez, sinon vous allez pas pouvoir les toucher. Voilà. Et là, je me rends compte que c'est pas Fina, mais Kairis. C'est vrai. Non, non, c'est pas... C'est pas Fina, ouais. Ah, on a une petite rune niveau 1 là. Hop là, j'ai réussi à choper la mine. Oh non, j'ai pas réussi. Si, je l'ai chopé, mais trop tard apparemment. C'est bon. Allez, go, 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 go. Ouais, donc c'est bien ça. Le bonus, c'est choper les prêtres. Là, il y a encore des ossements ici. Mais bon, vu qu'il y en a un qui est mort, ça sert plus. Alors, j'espère juste que le groupe qui est là ne va pas bouger. Parce qu'il y a un sage avec eux et ça m'embêterait qu'ils soignent le boss. Déjà que c'est assez chiant à tuer comme ça des nécros. En plus, nécromagie de sang. C'est une régène d'enfoiré ça. Et voilà. Et le cristal de vision est là-bas. Le sage. Allez, concentration, concentration. Attention, ça déconne plus. Déconne plus. Ça déconne plus. On a 19 minutes. Pas là pour recoller le papier peint, hein. C'est moi qui vous le dis. Hop là.
Est-ce qu'il y a encore des groupes? Ouais, y a des groupes devant. Ils sont trop cool les nécromanciens. Ouais, non, ils sont bien, mais quand ils sont alliés. Ils sont très bien quand ils sont alliés. Oh, c'est un boss moine. Allez, j'ai chopé la mine. Voilà. Allez, meurs. Voilà. Allez, toi, tu crames. Et tu meurs. Nickel. Non, 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 non. Vous partez là-bas, vous. Vous allez pas m'aggro les mobs à côté. C'est bon. Par où je suis venu, moi? Oui, par là. Alors vous, vous avez intérêt à partir, là, vous, là, le groupe ici, là. Ok, évidemment. Allez, passez, 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 voilà. Si en même temps, les nécromanciens ont une compétence très drôle et très, très sympathique que lui m'a fait plusieurs fois là que, et c'est ça qui m'en a fait m'en souvenir. Ils avaient quelque chose qui s'appelait le voyage nécrotique, qui en gros, ça leur permettait de se téléporter sur un cadavre près d'eux. Du coup, bah, des fois, ça pouvait être très drôle. Pour peu que ça cible un cadavre qui n'était pas forcément celui que tu voulais. Ça pouvait être assez marrant. Ou alors, si ça cible un cadavre qui est hors de la map. Près de toi, mais hors de la map. Parce que oui, ça peut arriver. Ça, c'est très drôle. Allez, meurs! Bon, bah théoriquement, on est bon. Il n'y a plus qu'à ramener le troisième fragment qu'on a dans les mains. Moi, je lâche la souris, hein. J'ai cliqué sur le nom du héros spectral. Il n'y a plus besoin de refaire grand-chose. Et du coup, on a mis ouais, peut-être une vingtaine de minutes à faire la mission. Ou en plein milieu des mobs. Ça peut aussi téléporter en plein milieu des mobs. Le cristal de vision est reconstitué. Le jour de votre jugement approche. Le regard des dieux est tourné vers vous. Ils vous guideront dans votre chemin. Ouais! C'était une compétence très, très, très marrante, ça, en nécromancien. Du coup, nous voilà de retour à la Roche de l'Augure, et on va partir pour la rivière assoiffée. Et là par contre je m'en souviens, et oui. Par contre il y a un truc que j'aimerais faire, c'est... voilà. À la place du saut de résurrection que j'utilise quasiment jamais vu que les héros meurent presque pas, j'ai mis un saut de capture qui servira si éventuellement... si éventuellement on croise des boss élémentalistes pour me permettre de capturer des compétences. Alors, éliminer les équipes adverses, éliminer les... bref, éliminer les équipes adverses. Vu que là on commence à avoir des boss de niveau 20, ça veut dire qu'ils ont potentiellement des compétences d'élite. Et les compétences d'élite, nous, on aime ça. Tuer les géants des sables pour obtenir une augmentation de morale. Ah. Ok.
Le mec qui parle avec la grosse voix, on dirait la même voix que celle qui présente les Disney. Ah, qui sait, c'est peut-être le même, hein. Oh, t'es sérieux? Ils arrivent à m'interrompre une compétence qui se lance en une seconde? Je me sens arnaqué, là. Allez. Les géants de sable. Du coup, je me souvenais qu'on les tuait, mais je me souvenais plus pourquoi on les tuait. Du coup, bah, ça y est, je me souviens. Pour avoir des augmentations de morale. Du coup, il y en a un derrière. Alors si je peux le choper lui seul, ça serait bien. Et apparemment, ils viennent tout seuls, nickel. Merci Luna. Comment ça, je l'oublie à chaque fois. Alors, des géants de sable, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un là-bas. Je peux passer par ce côté? Je peux passer par ce côté. On va peut-être falloir se faire les dévoreurs. Je sais pas. Ouais, bon, allez. Même si, si. De toute façon, j'aurais dû les faire quand même. Bon, je sais pas s'il y en a d'autres par là-bas. Si on va tomber. Et une pensée pour ce pauvre lutin qui sera tellement ignoré sans moi. Qui serait tellement ignoré sans moi. Ouais. En plus, c'est le genre de truc, je me dis, quand je le mets... Enfin, comment dire. Il n'y a pas l'air d'avoir de géant par là-bas. Quand j'ai fait le slash bonus pour l'avoir dans l'équipement au début, je me suis dit, ah, ça c'est le truc qui va être méga utile. Je pourrais le mettre tout le temps, comme ça j'aurai un allié, même quand je joue tout seul. Et bah au final, je l'ai oublié les trois quarts du temps. Je te dis de l'invoquer, mais si ça se trouve, il sert à rien. C'est juste... C'est pour ça que tu l'invoques jamais. Non, le fait que je l'invoque jamais, c'est juste que j'y pense pas. Mais si, pour le coup, il fait quelques dégâts supplémentaires, donc ça se prend. Tout dégâts supplémentaires est bon à prendre. C'est juste que j'y pense pas. J'y pense pas du tout. Ah. Tigrounet qui passe niveau 17. Il y a encore un géant de sable là. Quelques dévoreurs. Après bon, j'avoue que les dégâts que fait le lutin sont pas énormissimes. Hein. Là où moi sur une boule de feu je tape à 77, lui il tape à 30 quoi. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Je vais pas cracher sur des dégâts supplémentaires qui en plus me coûtent rien. Oh, un bouclier squelette. Alors si je peux faire choper le géant tout seul. Voilà. Et je crois qu'il y a un dernier géant
qui est là-bas. Du coup, ça nous permet de partir direct en début de mission avec plus 10%, qui est le maximum. Ce qui n'est pas négligeable. Ouais, là je vais sûrement les aggro ceux-là. Alors si on peut les éviter. Allez, raser les murs. Bah nickel. On les a pas chopés. Allez. Vous devez vous purifier pour vous élever et entrer dans la brèche. Après ce test, accompagnez-moi au cercle runique. Et je lancerai le sort qui vous débarrassera de vos imperfections de mortel. Et oh, votre première tâche consistera à terrasser une légion d'oubliés. L'ennemi ressuscitera toutes les 2 minutes si vous ne tuez pas le prêtre dans son sanctuaire. Après avoir terrassé vos adversaires, conduisez-moi vers la porte et nous irons au prochain défi. Bien, monsieur. Les défis deviendront de plus en plus difficiles. Si vous parvenez à tuer tous les ennemis sur votre route, nous invoquerons le cercle runique et vous serez purifié. Cool. Montrez-vous digne, et vous vous rapprocherez un peu plus de l'entrée de la brèche. Allez, purifiez la zone avant que l'esprit du roi Kimar ne disparaisse. En bonus, ok, bah on va tenter. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va donner une tempête chaotique. Et ça fait mal. Oh, surtout qu'il y a l'autre qui va arriver derrière là. Ah, fuck, 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 fuck. Boss envoûteur. Ouais, boss envoûteur. Allez, butez-le, butez-le. À mort. Non, le laissez pas se soigner. À mort. Allez, on a moins de 30, enfin un peu plus de 30 secondes là. Sinon ça va tout repop. Allez, go go go. Non non non, allez buter le prêtre. Le prêtre. Butez le prêtre. On a 20 secondes pour le buter, sinon ça repop. Allez, 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 allez. Ah, c'est bon. Ouh. Là, ça s'est joué à 10 secondes. Premier boss, ok. Oula. Ouais, il y a un coffre là, tiens. Pas de clé. Pas de clé. Oh putain, il a pas suivi, t'es sérieux là? Voilà. C'est bon. C'est bon. Non, non, là, c'est un cul-de-sac.
Il y a une texture foireuse là. N'y va pas. Tu serais capable de te coincer dedans en plus. Allez, pépère. Ouvre-nous la porte. Bon, ce qui est nul, c'est que le timer commence alors que la porte n'est pas encore ouverte. Lequel on fait? On va faire celui-là d'abord. Ouah, mais ils envoient tout le monde là ou c'est quoi l'histoire? Je me suis bouffé les 4 groupes d'un coup là, je suis pas sûr d'y arriver en moins de 2 minutes là. J'ai pris cher. Allez, buter celui-là. Avant le séisme, nickel, vous l'avez interrompu, c'est parfait. Vous êtes les meilleurs. Allez, go. Le prêtre. Ah, et lui c'est le boss élémentaliste. On va voir s'il a une compétence qui nous intéresse. Comme ça, sera l'occasion de vous montrer le saut de capture. Par contre, il a que des magies de terre, donc je crains que s'il est quelque chose d'élite, ce soit une magie de terre. Ce qui serait dommage. Bon, vous le tuez ou bien? Allez, crève. Voilà. Des écailles. Alors, est-ce qu'il a quelque chose? Le renouveau éthéré. Pendant 16 secondes, à chaque fois que vous lancez un sort, vous gagnez 3 points d'énergie. Et 16 points de vie pour chaque enchantement qui vous affecte. Non. Non, on va pas la prendre. Quoique aussi, allez, on va la prendre et on reprendra un saut de capture plus tard. Et on gagne 4000 points d'XP parce qu'on a appris une compétence d'élite. Et on est passé du coup au niveau 18. Comme quoi, ça sert de buter des mobs et de capturer des compétences d'élite. Donc maintenant j'ai la compétence qui s'est mise ici à la place du saut de capture. Donc ce qu'il faudra faire, c'est quand on voudra récupérer une nouvelle compétence d'élite, eh bien ce sera racheter un saut de capture. On va chercher toutes les compétences d'élite. Peut-être pas toutes, non. Peut-être pas toutes. Allez, le prêtre. Oh, fuck. Il m'a interrompu mon météore. Allez, butez-le. Allez, butez-le, 10 secondes. Avant que ça repop. Ah, c'est bon. Ouah, à 2 secondes. Waouh. Ça s'est joué à 2 secondes. Pouf, la vache. Voilà. Bon, du coup, on va en profiter. Magie du feu. Bim.
Comme ça, on est à 11 en conservation d'énergie et 11 en magie du feu. Ce qui est très bien. Bah, très honnêtement, ça m'embêterait pas de, ça m'embêterait pas, pardon, de vouloir, enfin, de chercher, de chasser les compétences d'élite. Sauf que, d'une, c'est très long. De deux, ça coûte très cher. Parce qu'il faut racheter des sauts de capture à chaque fois. Alors certes, les premiers coûtent pas cher, mais les suivants coûtent très cher. Et là, il y a trois équipes. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Voilà, le roi qui meurt, faut pas le laisser crever. C'est ça? Avant que... Ouais. Faut pas le laisser disparaître, c'est ça. Non, 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 non. Je vais me mettre dans la merde à faire ça. Je vais me mettre dans la merde à faire ça. Voilà, bon. Tant pis. J'ai tenté, hein. Est-ce qu'il y a rien à tenter? Mis à part la mort. Ah, lui il a fait un petit voyage nécrotique. Puis le pire, c'est que pour en revenir aux compétences d'élite, dans le premier Guild Wars, donc celui-ci, c'est très très chiant à faire. Parce qu'en fait, les boss sont toujours dans les... Comment dire? Ce sont toujours les mêmes boss dans les zones, mais à des endroits différents. Donc, si on veut chercher une compétence d'élite en particulier, il faut se taper toute la zone et avoir la chance de tomber sur le bon boss en fait. Contrairement où dans les autres Guild Wars, donc le Faction, le Nightfall et l'Eye of the North, là les boss sont à des endroits fixes. Putain, là par contre deux prêtres, fait deux boss prêtres, là c'est, fait deux boss moines, c'est chiant. Ah ben non, moi je risquais pas de mourir, hein, Luna. Moi j'avais confiance. Oh fuck, l'équipe a ressuscité. Là par contre on risque de mourir. Là on risque de crever. Allez, meurs! Meurs! Putain, mais meurs! Ah ben quand même! Oh putain, le héros spectral, le héros spectral, le héros spectral. Ah oui, parce que si le héros spectral meurt, c'est terminé. Hein. C'est vrai que j'ai pas dit, mais. Ouah, c'est là, c'était chaud. Oh la vache. Dans le 2, les compétences d'élite te sont données presque gratuitement. Ah oui, dans Guild Wars 2, oui, clairement, oui, là. Mais autant dans Nightfall, Faction et Live du Nord, les compétences d'élite, c'était vraiment très sympa de les chasser. Je l'ai fait sur d'autres personnages, dont notamment ma guerrière, qui est mon personnage principal. Mais dans Prophétie, c'est juste la merde. Allez, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Vite, vite, vite. Voilà. Allez, le prêtre. Arrêtez. Oh, fuck. On a un mort. La moine est morte. Deux. Voilà, le prêtre est mort pour eux. Chacun son tour. Non, la moine, non, la moine. Ah, fuck, ils l'ont retué. Allez, faut qu'on s'occupe des arcanistes. Je vais mourir.
Allez, allez les potes, ressuscitez-moi. Merci. Fallait que ça arrive de toute façon. C'est à ça que servent les plus 10% qu'on a dès le début. Bon bah je crois que c'est une de nos premières morts en coop, ça je crois. C'est pas une de nos premières morts dans le jeu, hein, ça clairement pas. Mais une de nos premières en coop, il me semble. Bon là, je vais y aller tranquillement, puisqu'on est à 5 minutes 20, donc ça va repop à 6 minutes. Donc pendant ce temps-là, je vais laisser les héros récupérer leur mana, tout simplement. Toi par contre ce serait bien que tu m'accompagnes. Qu'on ait un petit peu plus de DPS. Ce serait bien. Allez. 15 secondes. Ça régène tranquillou. Toi t'en es où? Toi t'es full mana. Toi pareil. Pareil. Ah oui mais toi t'es en fatigue. La guerrière, pas besoin de mana. Allez hop. Ça repop. On a 2 minutes pour tout tuer. Oh le dégât qu'on a mis en plein milieu là. Du coup là il reste le boss guerrier. Bon ça devrait aller un guerrier. Je pense que ça devrait aller. En une minute, moins d'une minute, on a presque tout buté là. Donc c'est cool. Bon, lui, il peut pas nous toucher. Bah, il s'avance en plus, c'est parfait. Allez, cramez-moi ce mec. Enfin, ce mec, ce serpent. Et voilà. Sous le regard des dieux, vos âmes et vos corps seront purifiés. Vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être drôle. Pour ceux qui connaissent Guldoar, vous savez où est-ce qu'on va se rendre. Pour ceux qui connaissent pas... Ah, je vais tellement en chier. Je sens que je vais tellement galérer. Alors... Est-ce qu'il y a un vendeur de compétences ici? Non. Donc, je vais vite fait retourner à l'Oasis. Voir si je peux racheter un seau de capture. Compétences. Ici, j'ai combien sur moi? 450 ? Je sais pas si ça va être assez. Ouais, c'est bon. Saut de capture. Merde, j'ai fait quitter. Boulet. Acheter. Voilà. Donc à chaque saut, enfin à chaque compétence qu'on achète, le prix augmente. Et en plus, ça utilise des points de compétence. Bon là, j'en ai 21, ce qui est pas ouf, mais bon voilà. Hein. Mais au bout d'un moment, bah, ça revient cher, tout simplement. À la fin, chaque point de chaque compétence, voilà, je cherchais le mot, coûte 1000. Et 1000, voilà quoi. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant qu'on a fait les 3 coopérations, on a la Roche de l'Augure, qui était la ville centrale, qui est devenue une coop. Et c'est là qu'on va rigoler. Alors. Car il est... Ouais, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite pause. Et ensuite, on se teste cette coop. Les dégâts sacrés, blablabla, ouais, non, ça, on s'en fout. Expertise plus 1, on s'en fout.
Armure plus 15 sous les effets de condition, on s'en fout. Tac. Ok, bah on va juste recycler. Ouais. J'ai besoin de matos. Et le reste on vend. Eh merde, j'ai vendu le parchemin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on stocke tout ça. Et on se fait une courte pause. Le temps de se remettre de nos émotions et le temps de se préparer psychologiquement à ce qui va suivre. Hop. Hop. Et donc on se retrouve dans 5 petites minutes. A tout de suite.